La mort qui m'a le plus choqué, c'était pendant les noces pourpres. Là, c'est un peu le coup de grâce et on a envie qu'il y ait un peu de répit, quoi, qu'il nous laisse au moins un Stark vivre. Et non, non, bah non. Quelle est la mort la plus choquante dans Game of Thrones? On a demandé aux plus grands fans et leurs réponses nous ont surpris. Je dirais que la mort qui m'a le plus choqué, c'est le moment où Tyrion il tire avec l'arbalète dans la tête de son père. Je m'attendais pas du tout à ce qu'il le fasse et finalement j'ai trouvé ça plutôt courageux. Donc une mort un peu réconfortante et en même temps ouais, voilà, inattendue quoi. Le prince de Dorne pour moi c'est la mort la plus choquante de Game of Thrones. Il y a les ors d'Ali où il fait le 1 contre 1 contre la montagne. Il est sur le point de gagner littéralement. Il va gagner. Puis d'un seul coup il fait le fanfaron. En une fraction de seconde il se fait exploser le crâne quoi. Petit spoiler alerte, la mort qui m'a le plus choquée c'est celle de Daenerys à la fin. Parce que je m'y attendais vraiment pas du tout. Que ce soit par Jon Snow, ça m'a vraiment choquée. Parce que c'était mon personnage préféré, donc j'étais très très déçue. J'ai pleuré. La mort qui m'a le plus choquée de toutes les saisons, c'était celle au mariage. C'était une alliance, c'était un mariage pour unir deux familles. Donc on a le fils qui est l'héritier, et puis sa fiancée qui est enceinte. Et la mère bien sûr qui est là pour unir les familles. Et en fait c'est un piège, ils ferment les portes, les gardes. C'est un guet-apens et tout le monde meurt.